Je la titille, donc c'est que ça fait du bien, je vais pas te mentir, ça dure des heures. Au bout d'un moment, j'y vire le sac McDo qu'elle avait sur la tête, je me rends compte que c'est ma frangine. Maman, je la casse la porte, je la mange, la porte, je suis dedans. Voilà, je voulais te présenter ma nouvelle camping. Bah, j'ai fait un petit domaine comme ça, tu vois bien. Je me suis dit, je vais te montrer quand même l'évolution. Maintenant, j'ai une caravane qui est dans ma 5 mètres fait de long. Elle s'appelait sur regarde de domaine, carrément. Maman, une bassine de bourrin. Ça, c'est toutes les femmes qui sont venues dedans, carrément. J'ai fait un trou avec une pelle. J'ai dit, voilà, quand elle me voit, il est femme. Tu vois le nénuphar, comment qu'il est écarté là. Quand elle me voit, il est femme, elles sont écartées autant que ça. Et là, la femme joue comme ça dedans. Ah, force, sors de là. Rendons-moi ma jambe, espèce de putain. Ça, j'ai le soulier qui part comme ça. À l'autre bout de la vallée, et la bonne femme, elle part. Comme une poule que tu viens de bouillave, elle part là-dedans. Elle dégueule partout par terre. Les gens reviennent. Des fois, il y a une femme là. Je suis comme ça. On dirait que je fais du rameur. Mais non, je suis dedans les femmes. Comme ça, à fond dedans. Et donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Parce que comme ça, moi, je suis tranquille. Je peux bouillaver des femmes. J'ai 1 500 000 hectares ici. Je veux tranquillement, comme ça, je peux défoncer les raclées. Il n'y a personne qui me mange la vie. Parce que sinon, il y a toujours un hibi. Oui, mais c'est ma bonne femme que t'as bouillave. J'ai dit, ta bonne femme, c'est une putain. Elle est venue, j'ai chié dans la bouche. Elle a pris 20 000 à Dubaï. Voilà, comme ça j'ai chié dans la bouche à ta bonne femme. Tu vois, je suis obligé de me battre. Alors que là, je suis comme ça, je suis au milieu de nulle part. Les femmes, elles peuvent venir flat jusqu'à l'épaule, des fois entièrement. Après, je lâche ton comme ça dans la bassine de Boursa. Ben, c'était mort. Donc voilà mon petit domaine. Je suis allé là-bas, là. 2032, la camping. Elle a même pas encore sorti au catalogue. J'ai dit, écoute, tu me l'as fait, sinon je viens chez toi, ton magasin, ton vendeur, je fous 3 coups de fusil dans la tête, là. Genre, la caravane, tu me la reproduis, une neuf dans le papier, carrément. Une 2032, qu'elles sortiront jamais. Il a chié dans lui, carrément. Il m'a fait une caravane, il me l'a dessiné directement, une semaine après le délivrer, voilà. Elle est neuve, j'ai acheté un petit domaine. La femme, elles ont trépané leur mort, elles ont mouillé leur grand-père, elles ont rempli la bassine à Boursane, t'es mort. Ma femme, quand elle est dans mon lit, là, elle me gratte les jambes. Je vais te montrer pourquoi, parce que son doigt de pied. C'est pas un ongle comme tout le monde qu'elle a au doigt de pied, c'est ça. La même chose, carrément. J'ai dit, va te couper. C'est pas un ongle qui est là sur le pied, c'est une écorce d'arbre. Alors je t'imagine pas la chenèque. La vase, t'es cul plein de merde. C'est un cul plein de merde. Bon, peu importe, voilà ma petite camping. Et ça, c'est mon petit convoi, regarde. Par quoi il est tracté. Il y a ma maman, ça c'est ma maman, elle tracte le convoi. Et je vais te montrer. Attends, je vais te montrer ce que c'est. Arrête-toi. J'étais dans le boursin! Nathalie! J'ai la merde! Ah! Alors? Ah! Mais tu es plein de merde du chien! À marcher dans la merde! Je t'avais dit que je voulais montrer mon petit convoi avec l'auto qui traîne devant. Pourquoi t'as pas arrêté? Attends, elle arrive! Ouf. Où c'est que t'es? Je suis comme une cuisse de grenouille, je peux pas me battre, j'ai les jambes cassées carrément tellement tout m'a trépané derrière. Elle a pas vu que j'étais accroché. Heureusement j'ai le chip qui est accroché à la corde, sinon j'aurais pas tenu là. Allez. Je suis une grosse merde, elle tient pas l'auto. C'est parce que je suis une grosse merde que je fais 400 kilos. Elle a pas la force dans elle. Voilà. Ah, je peux chier dedans là, je suis bien. C'est une grenouille. J'ai faim, je vais manger une grenouille. Stop. Oh maman, j'ai les poches pleines, Guette. Seigneur, pour une fois, c'est pas des billets, c'est de l'eau, Guette. Mais c'est mort. Stop. Mais je t'avais dit stop toi-même. Bah oui. Ah bah oui, bah j'ai failli prendre en pleine gueule le bouchon là. J'aime bien parce que je dis stop, je suis en train de crever par terre. J'ai dit là, regarde ce qu'on met dedans normalement dans le pneu du tracteur. J'ai crevé. Déjà, j'ai dit la dernière fois, j'ai tiré la penche comme ça. J'ai dit, Dylan, qu'est-ce qu'on met dans le pneu, Dylan? Baisse tes mains. Mais pas boudin dans le pneu. J'ai dit, Dylan, qu'est-ce qu'on met dans le pneu pour qu'il soit gonflé le pneu? Il y a la boudin dedans. Si tu prends pas le boudin dedans, va pas gonfler le pneu. Plus pour ça, tu vois, tellement que les femmes, carrément.
Elles sont pleines de boursins à la gueule quand elles me voient. Je suis obligé de la mettre dans les culs comme ça, j'ai rempli de boursins, puis des fois je vais me noyer dedans comme là à l'instant. J'en ai fait 30 comme ça. Tellement que les femmes défilent maintenant avec YouTube, c'est... on voit bien comment ça grandit avec YouTube. Maintenant les femmes elles font la queue pendant 50 km. C'est pour ça que j'ai acheté un endroit où on peut mettre 1 milliard de bonnes femmes. Donc, comme ça elles font la queue, puis elles remplissent les cuves à boursins, après je me noie dedans comme ça, je mange, mais t'es mort. Bah, voilà, je te vends mon M3. Bah tu vois bien, 5 ans plus tard, 500 millions de vues plus tard, bah voilà, je te vends mon M3, elle est mangée à la moelle. Mais pour une fois, bah c'est une vraie M3 que je te vends, donc voilà, tu vois, j'ai pas un menteur. J'en ai une autre, là, c'est pas une M3, mais c'est une copie pratiquement pareille. Bah tu vois, elle est mangée à la moelle, comme ça on l'a pris, on l'a tapé dedans, elle est morte l'auto. Ici, bah voilà, c'est une M3 là. Elle a le pneu à changer. Mais il y a que le pneu. Et le frein aussi qui est parti avec le pneu. Mais sinon, elle est ton neuf, hein. Moi, je suis pas un guignol. Moi, je fais pas des affaires pour manger la vie aux gens, hein. Alors, tu viens. Soit du fil de cuivre, soit deux, trois batteries comme ça. Mais attention, des batteries que pas des lithium de mort. Des vraies batteries. Des batteries de poids lourd. Ah, la beauté, 5 euros. C'est quand même 15 des fois même. Les grosses batteries de BM, des fois, c'est 15. Alors, donne-moi des batteries. Je fais un échange. Là, t'as qu'un pneu, un frein à changer. Sinon, elle est neuf. C'est un cabriolet. Là, devant, il y a un peu de polish à faire. Mais sinon, c'est une vraie M3. Moi, je suis pas un menteur, hein, regarde. Ça veut dire que c'est la vraie M3. Bon, hein, une vent, c'est toi un aspirateur à femme plus fort encore. Mais ça, c'est quand même la vraie M3 dedans. Le diable qu'elle a dans elle. Voilà, je te gère, mon copain. Allez, mais c'était mort. Maman, la beauté. Seigneur, l'amour. Le Seigneur en personne, il l'a créé, celle-là. Elle a été faite par le bon Dieu, maman Guette. La beauté, elle est neuve, les jantes, la BBS 9, hein. 9 dans le papier, elle a pas trop de jeu. Elle a 450 000 km. Ça veut dire, à partir au moment, elle a moins d'un million, elle est neuve. On va la refaire, et puis voilà, on va faire une auto neuve. Elle est neuve, les phares jaunes et tout, mon copain. Regarde dedans l'intérieur. Il y a encore le papier sur les sièges, je le dis. Elle est neuf. C'est comme quand tu rachetons une camping derrière un gitan. Et bah, c'est toi qui enlèves le cellophane sur les sièges parce que tellement les gitans ils en prennent soin de la camping. Elle est neuf. Et bah, celle-là, elle est neuf. Comme si c'était un gitan qui l'avait eu. Ah, le papier dans les sièges, je le dis, mon copain. Voilà, moi. Trop batterie, un peu de tuyau de cuivre. Voilà, toi bien, on va pas en faire une affaire d'état. Fais-moi un petit arrangement. À moi, une terrine de guêpe. Sinon, je viens chez toi, mon cousin. Je prends un cric de boîte comme ça. Je le jette en pleine tête, mon copain. Je la fonce à bord. Je goûte pas la bouche. Alors, abonne-toi à ma petite chaîne YouTube si tu veux qu'on envoie des voitures comme ça. Et si tu veux, comme ça, je pourrais t'en négocier d'autres. Et puis après, je te la vends contre des batteries, tu vois. Fais-moi un arrangement comme ça en faisant une but, toi et moi. Et tout le monde est content. Alors, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Sinon, c'est pas. Faut que ce soit dans les deux sens, hein. Sinon, moi, je viens chez toi. Le coup de fusil va être dans 15 ans, je le dis, mon copain. Abonne-toi. Si t'as les chicots en miettes, compose le 2. J'ai l'impression que tu le fais à l'arrache. Non. Maman, tu oublies, Seigneur Jésus. Oh là là. C'est Hugo. Une secrétaire va vous licher le chip pour s'excuser de la tante. Elle va sucer une bite. Elle va manger ses morts, la secrétaire. J'ai mis le t-shirt et mixtesse des deux guignols avec le gogol et le chauve. Et Mistess YouTube, ils ont qu'à prendre leur moto puis se la mettre dans le cul. Il a qu'à arrêter de manger les parois. Mais il a pas les croches quand il pourrit, hein. Il est tombé sur un os quand il a mangé ses morts. Voilà pourquoi il a les dents pourries. Dylan, si tu m'entends, mange tes morts. Au lieu de manger des parois, comme ça t'auras plus chico pourri. Enculé. On va où? À la caravane. Ah là là, si le pneu il lâche. J'ai l'attelage dans le cul. Si la roue de secours à tombon là, je m'assois sur la boule d'attelage. Dans le trou du cul, je la prends, la boule d'attelage. Directement. Oh. Attends, on va montrer à la caméra. Attends, faut qu'on montre à la caméra. Attends. Attends, elle est plus dedans. Quand j'ai mis un coup de soulier dedans. Tu vois le délire? Attention, attends. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es fan! À fond! Et là, comme ça, je pars en tant que bouillaveur de rafi. Oh, tiens, l'auto, je vous la montrer à la caméra. Et je m'en vais dans la bassine de Bourtin. Nous, bah, en fin de compte, on aime bien faire des petits films comme ça, puis après, on fait des making-off. Comme ça, on vous montre comment c'est qu'on fait la production. La production, tiens. Oh, cul, j'ai la production. Tu veux pas te m'entamer? Oui, tu es prêt? Attends. Putain, mais je suis pas un questionnaire, j'ai qu'une merde! Reviens là! Attends, c'est quoi? Moule-moi dessus! Tiens! Accélère! Faites chier! Allez vous faire enculer! Allez! Est-ce qu'elle est bonne? Elle est trop bonne. Je me suis secoué la gueule. Ah mais ça rend trop bien. Ah mais mon gars, ça m'a secoué la gueule. Oh, à un moment donné, j'ai dit, je me jette, je suis dedans, frère. Je me casse une jambe. J'en ai rien à brûler. Je peux bien me casser une jambe pour mon métier, c'est mon métier. Et des millions d'euros, j'ai gagné. Alors tiens, dans la face, tiens. Oh non, c'est con qu'on n'a pas des skis. On aurait fait le ski nautique.
baissez-le. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, guignol. Voilà, tellement que ma paire de couilles, elle est grosse. Quand je m'assois quelque part, je le broie le siège. Le bord du chauffeur, je le broie en deux comme ça.